On a un figuier avec deux vignes qui vont lui grimper dedans, de la physalis au pied, des tomates, du sorgho, du physalis de nouveau, une mûre sauvage mais sans épines qui produit beaucoup, un saule, osier, des tomates, un mûrier, Morus alba, tournesol, mûre, re-un saule qui commence à perdre leurs feuilles, tomates, saule, érable champêtre, tomates un peu partout, des mûres, de la viorne lantane ici, pardon, un charme, exactement. Saule mûr, donc mûr tous les 3 mètres avec des saules entrecalés, tournesol encore, qui me cogne un peu la tête, palonia, mûr, j'ai oublié, inconnu au bataillon, honnêtement, cornouillé ici là. On mettra dans le commentaire ouais. De la vidéo. Voilà. Viande de nouveau. Fusante pour moi, fusante. Saule. Sorgho couché. Mûrier blanc, Morus alba toujours. Mûrier. Cornouillé dessous là qui se cache un peu. Érable plane, ce qui a fait une très belle pousse. Tomate un peu partout. Saule, mûre. On a dû avoir un petit trou, ce qui n'a pas germé ou un lapin qui est passé. Tomate, érable champêtre au milieu, cornouiller, qui est un magnifique nourricier pour les arbres. Mûre, saule, mûre, toujours pareil. Cornouiller, chêne vert, mûre, tomate. On a un petit février d'Amérique qui se cache là, sélectionné sans épines. Notre ami le fusain, saule, tomate, sorgho, saule, un micocoulier, cornouiller, toujours un peu pareil. Voilà, là il y a février d'Amérique qui se cache un peu, un cornouiller qui s'est un peu caché, entrelacé dans une jolie étreinte par les tomates. Des repousses un peu de sarrasin et de couvert d'été. Saule, mûre, micocoulier, tomate, saule, un charme qui ne va pas apprécier le manque d'irrigation, enfin l'absence d'irrigation. Un saule et un mûrier. Ce qui fait du monde.